La basilique Sainte-Cécile dans le quartier aristocratique de Paris a eu une histoire tumultueuse. Construite dans les années 1840, elle devait épouser les formes d'un temple grec. Mais le préfet Rambuteau en jugea autrement. Esprit progressiste, il était partisan du style gothique et il confia le projet à un architecte allemand, François Christian Gau. Ce choix devait mettre le feu aux poudres. Comment, un Allemand? Pourquoi l'art gothique? Tout le monde se retrouva bientôt dans la rue pour manifester. Mais Quincas, la construction avance. L'édifice a été dédié à Clotilde, reine de France, femme de Clovis, qui a joué un rôle essentiel dans la conversion de son mari et par contre-coup pour l'unité du pays. Au portail, les grands contemporains l'accompagnent dans sa pérégrination sur la terre. Saint-Germain le grand évêque, Saint-Radegonde, Saint-Sigismond, Saint-Scolastique et Saint-Gontran. Ce ne sont plus des saints dont le nom nous est familier, ils ont joué néanmoins à leur époque un rôle essentiel. Arrivé au seuil de la basilique, le recteur du lieu, le père Rouget, nous accueille. Beaucoup de ceux qui ne connaissent pas Sainte-Clotilde s'imaginent que c'est nécessairement une église laide, parce que c'est une église néo-gothique. En réalité, en découvrant cette basilique, j'ai découvert une très belle église, une belle nef, un bel endroit pour célébrer la liturgie et aussi un endroit bien repérable dans le quartier. J'ai déjà rencontré des touristes qui m'ont dit que Sainte-Clotilde était encore plus belle que Notre-Dame. Ce qui est caractéristique à Sainte-Clotilde, c'est à mon avis deux choses, au moins. D'abord, cette église construite autour du mystère du baptême, le baptême de Clovis, accompagné par sa femme Clotilde et sous l'influence de sa femme Clotilde, une invitation pour tous les baptisés à entrer davantage dans la grâce de leur baptême. Et puis, une église dédiée à la reine Clotilde, Clovis, dans ce quartier où travaillent tant de fonctionnaires au service de l'État. C'est un rappel de la place de la culture chrétienne dans notre histoire. Du fond de la nef, ponctué par des colonnes élancées, le fidèle est attiré vers l'autel conçu par Auguste Barre. Cet autel est composé d'un tombeau orné de 15 figurines sculptées et dorées représentant les 12 apôtres, plus 3 figures ajoutées, le Christ, Sainte-Clotilde et Sainte-Valère. Ces statues frappent par leur finesse et leur précision. Elles sont comparables aux œuvres gothiques du XIIIe siècle. Certaines s'apparentent même aux statues du portail de Reims. Autre ensemble fameux, le chemin de croix. Il est de Pradier, sculpteur des années 1830, l'un des plus célèbres de sa génération. L'ensemble du décor sculpté de l'église respectait le style gothique, mais Pradier ne changea en rien sa manière de sculpter et exécuta cette station en un style purement néoclassique. Notons les attitudes pleines de noblesse des protagonistes du drame. Nous sommes loin des gesticulations et des contorsions douloureuses de la fin du Moyen-Âge. La présence dans les lieux de Pradier a sans doute eu une influence sur de plus jeunes confrères qui décorèrent les chapelles latérales de peintures néoclassiques, voire quelque peu académiques. Dans l'abside, l'on peut découvrir l'un d'entre eux, qui a eu de son vivant une grande notoriété, il s'agit de Bougros. Il réalisa le décor de la chapelle Saint-Louis. On y voit Saint-Louis rendant la justice, Saint-Louis vénérant la couronne d'épines. Attitude noble et un peu compassée, en contradiction avec les nouveaux styles comme l'impressionnisme, qui prend alors son essor. De son côté, Pierre-Nicolas Brissé peint la chapelle de la Sainte-Croix. La découverte de cette croix glorieuse a toute une histoire. Comment Sainte-Hélène la découvre trois siècles après la mort du Christ, sur le Golgotha? Et comment Constantin s'en empare par ce signe
tu vaincras. La chapelle de la Vierge a été illustrée par le neveu qui peint avec componction les principales scènes de la vie de Marie. Sa naissance, sa présentation au temple, son éducation, cette première évocation est complétée par deux autres scènes qui ont plus trait à l'enfance de Jésus qu'à celle de Marie, l'adoration des rois mages et la fuite en Égypte. Mais le principal intérêt de la basilique Sainte-Clotilde réside dans les vitraux dessinés par des artistes en renom, tous de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les saints qui figurent dans les fenêtres des bas-côtés de gauche et de droite sont des personnages contemporains de Sainte-Clotilde. On y trouve entre autres Saint Radegonde et Saint Grégoire, mais aussi quelques personnages antérieurs, comme Sainte Cécile ou Sainte Hélène. Le dessin est accusé, les coloris pleins de charme. Il serait temps d'organiser une véritable défense du vitrail du XIXe siècle, trop souvent en but au mépris. Tournons-nous maintenant vers l'orgue. Construit par Aristide Cavaillé-Coll et inauguré en 1859, il est célèbre dans le monde entier et il a toujours été confié à des musiciens de renom. César Franck, le plus célèbre, mais aussi Gabriel Pierney. Citons encore Charles Tournemire, qui resta en titre pendant 41 ans à cet orgue, battu de peu par Jean Langlais. On a pu parler d'une école de Sainte-Clotilde en raison de l'influence que ses maîtres prestigieux eurent sur leurs élèves. À peine...
À peine terminée la visite de l'église, on peut s'attarder dans un autre lieu de culte situé à proximité. Il s'agit de la chapelle de Jésus-enfant, consacrée en priorité au catéchisme. Son architecture, due au talent de détailleur, est en partie inspirée du City Hall de Westminster. La voûte de bois verni et doré est assez remarquable dans sa réalisation, tandis que la décoration des murs rappelle la chapelle basse de la Sainte-Chapelle. L'arc triomphal porte l'inscription Trinité par du Los Venire a me. Laissez les petits-enfants venir à moi. Et c'est justement un hymne à l'enfance auquel est consacrée la partie centrale de l'édifice. D'abord, c'est la Vierge dans toute sa jeunesse, entourée d'anges aussi jeunes qu'elle. L'œuvre est due à Virban, qui interprète librement le couronnement de la Vierge de Frangelico en faisant une traduction en céramique façon des Larobia. Au-dessous, trois grands arcs abritent des personnages en haut relief, offerts par le comte d'Astanière, sculpteur et ami Falière. On reconnaît à gauche Saint Donatien et son frère Rogatien, l'un écartelé, l'autre égorgé à Nantes. Saint Tarcissus, lapidé. Saint Louis de Gonzague, jeune jésuite, mort en soignant les pestiférés. Du côté des femmes, on trouve Sainte Cécile et surtout Jeanne d'Arc. Le propos du sculpteur est d'illustrer la sainteté dans la jeunesse ou même dans l'enfance. Chacune des figurines est traitée avec beaucoup de sensibilité et de finesse. On sent que la foi de l'artiste ne fait pas de doute. Telle est la basilique Sainte-Clotilde qui a donné un nouvel élan à l'art gothique déclinant.